Salut à toutes et salut à toutes, chers spectateurs, bonjour à tous, chers spectateurs, c'est Yugo05. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, toute petite vidéo gameplay détente sur Cluster Truck. Cluster Truck est un jeu que j'ai récupéré sur le Game Pass de la Xbox One, donc il est dans le Game Pass, il est gratuit, et puis même si vous n'avez pas le Game Pass, à mon avis, il ne doit pas coûter cher. Le but de Cluster Truck est, vous avez bien pu le voir, d'arriver au bout du parcours sur des camions qui, là, le but est de sauter de camion en camion pour atteindre le bout du parcours d'obstacles. Alors ça a l'air simple comme ça, mais en fait ça l'est pas vraiment, hein, parce que les camions, apparemment, c'est une réunion du syndicat des fous du volant, et ils partent vraiment dans tous les sens, un véritable carambolage que vous allez devoir gérer au travers de vos sauts. Donc le jeu est à la première personne, vous voyez, on se déplace, on saute, on peut même sauter sur les débris des falaises que les camions laissent derrière eux. Par contre, les falaises, si on les touche, on échoue le niveau quand même. Alors vous allez me prendre pour un PGM, mais non, c'est du montage, hein, c'est la magie du montage, hein. Moi j'ai coupé au montage les échecs qui ont été relativement nombreux, parce que évidemment vous imaginez que plus on avance, plus ça se complique, hein, normal. C'est comme ça dans tous les jeux vidéo. Allez hop, voilà, et hop, on saute, allez, vas-y, cours Forest, cours, saute. Allez, je voulais même faire Jean-Claude Van Damme, fait le grand écart entre deux camions, non, je rigole. Et hop, voilà, les niveaux sont relativement courts, mais à force d'essayer, la première prise, elle a duré presque un quart d'heure, hein. Et là, vous voyez que la vidéo fait même pas 5 minutes. Donc c'est dire si j'ai souvent échoué en essayant des niveaux. Donc vous voyez aussi, on peut sprinter, voilà, j'ai pas précisé ça, mais on peut sprinter, on peut courir plus vite pour sauter plus loin. Et là, vous pouvez voir que, voilà, vous pouvez maintenant acheter votre première capacité, parce que oui, donc le jeu propose des capacités spéciales qui peuvent vous faciliter la tâche pour les niveaux suivants. Donc là, j'ai débloqué le double saut, par exemple. On a également le grappin, on a d'autres petits trucs qui seront bien pratiques pour affronter les niveaux suivants, quoi. Après, je sais pas pour la durée de vie du jeu, le nombre de niveaux et tout ça, mais à force d'essayer, de réessayer, je pense que vous en avez pour... après, pour votre argent, je sais pas combien il coûte, mais bon, même si vous n'avez pas le Game Pass, je me répète, il ne doit pas coûter très cher. Donc voilà, c'était Yugo05 pour une petite vidéo gameplay détente sur ce petit jeu indépendant Cluster Truck. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Merci, conduisez prudemment et à la prochaine. Allez, bye, ciao.